Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver cette semaine. Alors comme tu as pu voir la semaine dernière, je t'ai mis un petit tuto. Si tu l'as pas checké, c'est pas trop grave, je t'en veux pas. Par contre, je pense partager de temps en temps quelques tutos. Alors dis-moi ce que t'en penses en commentaire si tu trouves ça plutôt cool. Et puis j'avais aussi une petite idée de faire peut-être de temps en temps une semaine tuto. C'est-à-dire que tous les jours, je te mettrai un tuto différent. Donc dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Ça m'aidera à prendre ma décision, tout simplement. Donc du coup, cette semaine, je vais pas te parler pendant 3 heures. On va attaquer directement avec les charges des bandes à placo. Tu vas voir, moi j'ai fait ça à l'airless avec mon père et je sais plus si j'avais mon copain qui était là ou pas, mais en tout cas c'était une étape qui était assez cool à faire et tu vas voir, contrairement à d'habitude, et bah franchement c'était vraiment cool à faire. Allez, je t'en dis pas plus et c'est parti. Voilà, 1h30, premier étage, la première passe d'enduit partout à deux. Il reste quelques petits angles un petit peu compliqués à faire, mais ça je le ferai à la main ultérieurement. Voilà, cet après-midi, on continue. Those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all, even though you might just shatter. Now you're scared of time. Gotta beat the clock now, it's all up to bright. Cut my brain, struck out with you, had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna cry. If I'm gonna fall back, it's a waste of time. T'as un sens pour le mettre, hein, c'est ça? Ouais. Tu lisses là. Et là, c'est là où ça, t'as des petites roulettes là-dessous. Ça, ça te guide. Et ça, c'est ce qui lisse. Enfin, qui racle le surplus. D'accord, donc ça, ça va dans le sens? Ouais, ok, d'accord. Là, je le mets dans le sens, puis après, je vais passer dans le sens. Ok.
Les gratons, c'est bon pour l'apéro, mais c'est tout, quoi. Ouais, tu sais pas ce que c'est, des gratons. Faut être en Bourgogne pour savoir ça. Ça te projette combien d'enduits là-dessus? Je sais pas, un petit millimètre. C'est un gain de temps quand même. Bah, tu vois, ça fait 2 minutes qu'on filme. T'as projeté, t'as lissé quasi 4 bandes. En 2 minutes, ouais, ça va quoi. C'est... Une fois que tu maîtrises le geste, enfin, c'est pas comme moi, quoi. Je maîtrise pas, mais c'est mieux. Ouais. Et voilà, je pense que je vais mettre à mon compte. Tu peux, je pense. Je pense. Là, c'est fait. Là, c'est pas fait. Donc là, j'en ai même pas bien fait. Parce que là, quand tu vas enlever le scotch, ça va pas enlever le plâtre. Non, ça va s'arrêter à l'œil. Tu peux le casser avant que tu pousses. Ah oui, d'accord. Tu peux le casser. Donc là, une pièce, en combien de temps tu fais la pièce avec la machine? Tout seul ou à deux? Bah, tout seul, admettons que tu sois tout seul. Oh bah. 10-15 minutes quoi. Non, une demi-heure quand même. Ouais, mais là, pour faire une seule passe. Ouais, tu peux avoir un peu plus de temps parce que, comme faut descendre tout en bas pour. Ouais, pour recharger. La machine, faut le compter quoi. Ouais. Entre une demi-heure, 45 minutes. Ça va. Puis bon, là c'est tordu. Hein. Ouais, il y a des angles partout. T'aimes bien la facilité quand même. Ouais. Allez, t'es content? Ouais, ça va. Voilà la machine à enduire. Donc là, le sol est vide. Donc ouais. Thomas. La préparation de l'enduit. Donc je le malaxe un petit coup. Parce que l'autre fois, la température, il n'y avait pas trop besoin. Il était plus fluide. Plus chaud, plus fluide. Ouais. Donc il passait tout seul dans la machine. Là, la température elle a baissé. Du coup, il était un peu plus froid. Et en fait, la machine elle a du mal à l'aspirer si tu le malaxes pas, parce que ça fait comme si tu avais des petites bulles d'air dedans et du coup, t'as pas la pression comme d'habitude quoi. Donc là, je le malaxe, on le remet dessous
et après c'est reparti. Après c'est tout bête, hein. Ça part, tu vois là, il y a une crépine là-dessous, hop, ça aspire. Ça c'est ton tuyau de purge quoi, quand tu amorces ou que tu veux rincer ta machine, et puis sinon après ça passe par là. Et ça c'est une machine qui est dédiée spécialement pour l'enduit. Pour l'enduit. Ouais. Donc elle fait la peinture aussi. Tu peux faire la peinture mais il faut changer la bille. Dessous là dedans il y a une bille, je crois qui monte et qui descend. Il faut changer cette bille, il faut changer le tuyau parce que c'est un tuyau qui est moins gros, qui est un peu plus fin. Et puis bah tu changes tes buses et tu rajoutes le filtre. Tu rajoutes ça, ça c'est le filtre à peinture. Pour filtrer, bah ça paraît pas, mais dans la peinture il y a de la merde, même quand le pot il est neuf, et du coup bah tu le mets. Alors que là pour l'enduit, tu l'enlèves. D'accord. Là il n'y a pas de filtre, c'est direct avec l'enduit. Voilà voilà. Et du coup c'est de l'enduit spray spécial pour la machine. Ouais, là, c'est de la glace à la vanille, là. De la glace à la vanille. J'aime bien la glace à la vanille. Non, là, ouais, c'est de l'enduit. Alors, attends. Mais cet enduit-là, tu peux t'en servir aussi à la main, quoi. Je veux dire, c'est pas réservé que pour la machine. Non, par contre, si tu veux passer à la machine, faut faire attention. Alors, je vais prendre celui-là. En général, quand tu peux les passer à la machine, il y a toujours soit un dessin, soit c'est écrit en forme de logo. Alors, je sais pas si celui-là, il l'a. Mais des fois, ils ont un petit logo où tu vois le pistolet en fait. D'accord. Parce que tu peux aussi, en fait, avec cet enduit là, donc tu vois, c'est ça la marque. Avec. Parce qu'il y a le droit de citer des marques. Oui. Je sais pas, mais je l'ai pas cité, je l'ai montré. Et tu peux, donc là, nous on fait les passes de charge avec, parce qu'en finition, moi je vais utiliser le. Celui qui est là-bas, là, le bagarre. Il est plus fin, il est mieux, il garnit mieux en fait. Mais tu peux aussi ratisser avec cet enduit. Donc tu peux faire tes passes de charge sur des bandes, des vis, mais tu pourrais également, si tu veux, ratisser, tu peux ratisser avec un rouleau, tu peux ratisser avec la machine aussi. D'accord, donc toi, on va ratisser avec un autre enduit alors. Ouais, on va ratisser avec ça. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. On va ratisser avec ça. D'accord, donc tu dis il est plus fin. Bah, je trouve qu'il se ponce mieux, et puis il est un petit peu plus garnissant, je pense, que celui-là. Parce que celui-là, il est vraiment dédié à garnir et à être poncé. Donc c'est tu remplis, tu ponces quoi. C'est, enfin, tu pourrais faire tes bandes avec, mais ça n'a pas d'intérêt quoi. Ok. Ok, ça pompe directement dans le seau quoi. Voilà, tu vois, je l'avais désamorcé tout à l'heure quand je suis redescendu vu qu'elle s'était enfin, je l'avais réamorcé vu qu'elle s'était désamorcée. Là t'as une vanne, donc en fait. Et tu veux l'amorcer, tu prends ça, hop. Et bah là elle est amorcée, et sinon bah tu pourras avoir de l'eau, tu pourras avoir de la peinture, tu pourras avoir ce que tu as avant quoi. Donc là on s'en fout quoi. Et après bah t'inverses ça, tu vois là t'as un petit logo, là il y a un logo d'un seau, et là après je me mets en spray. On ne voit pas dans la vidéo mais c'est incrusté dedans quoi. Ouais. Si on voit le petit spray. Ouais, on voit le petit spray. Voilà. Okay. Et puis là, bah, c'est pas compliqué, tu mets un fond. Et les chiffres qui s'affichent, c'est quoi ? C'est la pression en bar. 220 bars ? Ouais. Bah, après, est-ce que c'est des vrais bars ou pas, je sais pas, mais c'est comme ça que la pression s'affiche. On la pêche quoi, des barres de ligne ou des barres de... Bon bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bah écoute, j'espère que le sujet t'a plu, j'espère que t'as trouvé cette vidéo intéressante. Alors certes, t'en as certainement peut-être déjà vu sur YouTube, mais bon, pour moi, tu vois, c'était une de mes premières en termes de grand volume comme ça, où il fallait faire des charges directement à la machine et franchement, bah moi j'ai kiffé, personnellement j'ai kiffé et on a gagné un temps de fou avec mon père. En plus tu passes des quantités d'enduit ultra facilement parce que bah forcément le pistolet c'est beaucoup moins lourd qu'une boîte de passe ou bien de porter ton enduit tout le temps à la main. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis bah on apprend de tout le monde, donc moi je suis pas contre la critique. En tout cas je compte sur toi pour t'abonner si c'est pas fait, de mettre un like, de partager.
Enfin bref, tu connais la chanson. Et à la semaine prochaine. Ciao.